C'est un village du Morbihan d'un peu plus de 1000 habitants, niché dans un écrin de verdure au milieu des vertes pâtures. C'est le pays de la crête fine, des bons copains, des bonnes copines et des sentiers de randonnée qui vont jusqu'à Sainte-Anne-d'Auray. À 30 minutes de la mer, 500 mètres du premier calvaire, et sur un des deux côtés de la belle vallée du Blavé. Sur ces belles routes qui sillonnent, tu peux rencontrer David Brown dans un nuage de fumée et taradé dans la forêt. Il paraît qu'au fin fond de l'Afrique, y'en a qui connaissent Kistinik. Un peu partout en Malaisie, des gens rêvent d'aller à Dubri. Les chasseurs esquimaux veulent aller faire leur course à Beau. Et même les Sherpas du Népal aimeraient manger chez petit Chantal. Dans une journée, tu fais des flambées en juillet. Le matin, les oiseaux chantonnent dès que le soleil rayonne. Tu sois marin ou bien terrien, citadin ou juste une personne. Découvre comment c'était avant, te baladant à poule fêtant. Il paraît même qu'en Amérique, y'en a qui parlent de Kistinik. Un peu partout en Colombie, les gens veulent visiter Bubri. Que tous les danseurs du Congo veulent aller au fest nos abos. Que les cuisiniers du Larzac veulent des saucisses de Kervignac. Tu seras chasseur ou bien pêcheur, tu es sûr de trouver ton bonheur. Ou bien cavalier, tu trouveras chaussures à ton pied. C'est un endroit du Morbihan où les gens sont très accueillants. Une fois que tu y es passé, surtout voudras t'y installer. Il paraît même qu'au Mozambique, y'en a qui connaissent Kistinik. Un peu partout en Namibie, des gens rêvent d'aller à Dubri. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils veulent se rendre à Locminé. Les habitants de Mexico veulent des vacances à Plumelio.